Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais faire la revue de ces petits produits. Donc ceci, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une boîte de gouache que j'ai trouvée sur Amazon, voilà, et qui se présente avec comme ceci. Donc on a une petite palette, le couvercle. À l'intérieur, une carte, un petit, voilà, une petite carte doodle, et ici, ça doit être le nuancier de toutes les couleurs. Sauf que moi, ça n'a aucune valeur pour moi, je m'en fous. Moi, ce que je veux voir, c'est ce que ça donne là-dessus. Du coup, je vais m'armer une petite feuille de mix média de chez Canson. On va prendre également un petit pinceau de l'eau et je vais ouvrir tout ça et je vais faire les swatchs. J'ai testé donc du coup avec le pinceau à sec et en mélangeant avec de l'eau, c'est franchement pas trop mal. Juste peut-être celle-ci et celle-ci où il faut peut-être plus épaissir au niveau de la peinture. Mais après elles ont l'air quand même bien couvrantes. J'ai testé également le blanc sur du bleu pour voir si ça se mélangeait, si ça allait pas. J'ai un petit peu galéré par contre pour ouvrir celui-ci, le tout dernier. Parce que au bout d'un moment j'en pouvais plus, du coup j'ai du vert plein les doigts, c'est très agréable. Donc du coup on va tester ça en dessin. J'ai pris quelques images sur Pinterest pour deux dessins. L'artiste c'est Homocat et le troisième dessin je ne sais pas. Donc là pour les tests j'ai juste pris les dessins, je les ai redessiner et puis là on va les coloriser avec cette petite planche de gouache. Look what you did last night, what you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time. Oh no, now the truth comes out and I know that you warned me about it. Shallow, you were only ever in for yourself. Bon, voilà ce que ça peut à peu près donner pour le premier dessin. Bon, j'ai fait quelque chose de très simpliste. Faut savoir que j'ai utilisé les pinceaux de chez Cultura de la marque Monali. Franchement, je les aime pas du tout. Ils sont... Les poils sont pas réguliers, c'est vraiment cheap, donc j'aime pas. Je vais tenter demain. Alors je dis bien demain parce que là j'ai fermé la boîte. Je veux voir ce que ça donne cette gouache là, savoir si elle sèche
vite ou pas, puisque vu la quantité qu'il y a dans les pots, j'espère bien que non. Donc voilà pour le premier, le deuxième sera fait demain. Alors sachez que j'utilise ça, alors ça c'est une tablette lumineuse que j'avais fait depuis des années, sauf qu'elle ne marche plus. Elle fonctionne plus et dessiner sur le tapis pour la souris, c'est pas franchement terrible. Du coup, j'utilise ça pour comme support pour avoir quelque chose de rigide. Cause if you need a plus one, baby, I'm always here. I'm driving to the sunset, and then we could drive some more. Find a show or a celebration, or whatever the night has in store. So park the car and slam the door. Yeah, we can dance till we can't dance no more. Then you can laugh and laugh at me and whisper in my ear. I could be your plus one, baby. Whatever you need, yeah, we could roll through parties and I'll be your company. Oh, you'll never be alone. Crowd in your peers, cause if you need a plus one, baby, I'm all. Bon, alors verdict sur cette petite gouache de chez Amazon. Donc ça s'appelle Artix. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai également testé hors caméra sur le papier aquarelle noir de Action. Donc ça rend pas trop mal. Par contre, il faut absolument pas trop mouiller l'aquarelle si vous voulez un effet de opaque. Parce que du moment où vous la mouillez, ça va forcément devenir transparent. J'ai beaucoup galéré pour celui-ci. Notamment parce que ben, j'avais pas de pinceau assez fin pour pouvoir faire les détails. Et c'est très compliqué de... Franchement, sur un format pareil, la gouache, ça, je trouve ça compliqué. D'autant plus que je ne suis absolument pas dans mon élément avec la gouache. Concrètement, faire des crânes d'animaux comme ce que je faisais l'année dernière, oui. Ça, il n'y a pas de souci, je vous l'ai fait sans problème. Je dis par contre, faire ce que je viens de faire là, ça a été très très compliqué pour moi. Mais j'ai plus ou moins réussi. Donc du coup voilà le nuancier comme on l'a vu tout à l'heure. Le premier dessin, alors les deux, je crois que les deux viennent de chez Okami, Omika, enfin je sais plus, je vous l'ai dit en début de vidéo. Je suis absolument pas sûre. J'ai absolument pas fait les mêmes coloris forcément. J'ai un peu modifié le dessin mais c'est très très léger, de façon à me l'approprier un petit peu pour moi, mais voilà, je vous remettrai le nom de l'artiste, je crois, en barre d'infos. Donc du coup voilà, les deux petits dessins que j'ai pu faire avec ce petit kit de gouache, en sachant que celui-ci, donc je l'ai fait le lendemain de la réception et de l'ouverture, donc ça tient, franchement ça sèche pas vite, donc ça devrait tenir assez longtemps. Donc voilà, pour commencer, c'est pas trop mal. Par contre, je vous ai absolument pas dit le prix. Honte à moi. Vraiment, honte à moi. Alors, il est où ? J'ai payé ça quand même 25 euros. Voilà, 24,99. Quand même. Quand même. Mais pour commencer, c'est très bon. Donc, c'est la gouache. Ça évite d'acheter les tubes de chez Le Fond de Bois qui sont une qualité au-dessus, mais voilà.
Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo qui, ma foi, va être plus longue que les autres. Mais veuillez me pardonner, mais je voulais faire une revue assez complète sur ce produit-là. C'est la première fois que j'en fais un, donc pardonnez mes erreurs. Voilà, je vous fais donc de très gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.